Éphésiens 4, 25. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Alors je vais vous dire, le démon du mensonge a été un démon, j'ai lutté avec lui. Et je sens le ce soir, je ne vous ai jamais dit comment faire pour en être délivré. En fait, c'est simple. Je mentais beaucoup quand j'étais païen. Quand je me suis converti, mes lèvres étaient habituées à mentir. Donc, il a fallu que je sanctifie mes lèvres. Comment j'ai fait? Si je te dis quelque chose qui n'est pas vrai, je t'appelle après pour te dire, je veux te voir. Et je te dis, je t'ai menti. Quand j'ai fait ça deux fois, trois fois, le mensonge est parti. Amen. Le mensonge a disparu. C'est-à-dire, si je mens et je tourne le dos, je me dis, tu as encore menti aujourd'hui. J'appelle, je dis, excuse-moi. Prie pour moi parce que ça, là, ça me fatigue. Je mens souvent. Je viens de là. Sérieusement. Et c'est comme ça que j'en ai été délivré. Amen. Et aujourd'hui, je suis connu pour quelqu'un de très franc. Amen. J'aime la vérité. Je dis la vérité. Je hais le mensonge. J'aime dire ce qui est vrai. Amen. Si je prends quelque chose de toi, tu me demandes, je te dis. Maintenant, j'ai commencé à prier. Après, vous dites, Dieu, aide-moi à bien dire la vérité. J'étais devenu brut. J'étais devenu tellement brut qu'il fallait maintenant dire la vérité dans l'amour. Mais il fallait d'abord que je sois brut pour ne même pas donner une seule réflexion de mensonge pour que ça vienne. Amen. Non, je disais brutalement. Après, Dieu a dit, non, mon fils, tu vas trop brutalement. Modifie maintenant. Modifie. Polis. Et j'ai commencé à polir. Je rends grâce à Dieu de ce que maintenant c'est moins brutal. Mais vous voyez, je dis quand même toujours la vérité. J'aime la vérité. Amen. C'est les disciples de la première heure. Ils ont souffert de la brutalité de ma vérité. C'était trop cru. Mais maintenant, j'ai appris dans la maturité, avec l'âge poli à l'intérieur. Je rends grâce à Dieu qui nous a changés. Amen. Je rends grâce à Dieu. Amen. Amen. Mais il faut qu'on a... Mais voyez-vous, la Bible dit renonce. La Bible dit renonce. Il faut renoncer. C'est toi qui renonces, hein. Renonce. On t'appelle. Oui, dis-lui que je ne suis pas là. Comment tu... Tes enfants entendent ça. Après, tu dis que la gloire de Dieu descend. Dans la maison de mensonge, il n'y a pas de gloire. Amen. Dis-lui que je dors. Comment quelqu'un qui dort parle? Tu ne dors pas? Est-ce que vous comprenez ça? Mais ce n'est pas grave pour nous parce que ce n'est pas l'adultère. Parce que ce n'est pas... Mais c'est dangereux parce que c'est une sémence terrible. Celui qui ment est du diable. La Bible dit tu es du diable. Tu mens, tu es du diable. Ananias et Saphira, ils ont menti. Ils sont morts. Oui. C'est vraiment ce que vous avez donné? Oui, hein, c'est ça. Ils étaient habitués. Elle avait le rouge lèvres. Oui. Oui, c'est ça. Pierre, c'est ça. Boum, elle est tombée. Il faut qu'on prie pour une église où quand l'on sonne descend, là, ça attrape les menteurs. Esprit de mensonge. Boum, boum. Vous allez voir par terre ici les gens qui sont sapés. Vous allez dire, hé, hey, lui aussi, il est concerné. Prions le Seigneur maintenant. Il va l'avoir. Prions le Seigneur. Prions au nom de Jésus. Prions. Pour renoncer aux mensonges. Au nom puissant de Jésus. Dieu, merci pour Père, nous voulons te rendre grâce. Aide-nous dans ta puissance extraordinaire. Et ceux qu'on était en direct, toutes les personnes qu'on était à cet hôtel, être délivrés de l'esprit du mensonge. Que nous parlons chacun son prochain selon la vérité. Délivre-nous, Père du mensonge. Que nous puissions dignement marcher dans la droiture, dans la pureté. Que nous renonçons à tout ce qui n'est pas du royaume des cieux. Dans le nom puissant de Jésus. Ô Père, nous voulons véritablement, oh Dieu, marcher dans la vérité, car celui qui nous a racheté est la vérité. Nous incarnons la vérité, nous sommes la colonne et l'appui de la vérité. Nous disons la vérité, nous sommes la vérité. Au nom puissant de Jésus, béni sois-tu Seigneur, honneur et gloire à toi, dans le nom suprême de Jésus. Alléluia, au nom suprême de Jésus. Gloire à toi, Amen. Alléluia. Nous sommes des personnes fraîches.